s'est pas vu partir. Anastasia. Fréquence, Sergueï. Oh. Anastasia. Oui. Je vais tenir le même discours hein, que je tiens toujours depuis le début. Hein. Mais tu sais très bien que ça se trouve, c'est une perte de temps. C'est pas une perte de temps, je suis persuadée qu'il est en vie. J'espère bien. On verra bien si t'as raison ou pas. C'est parfait, c'est bon. Je connais même pas le sexe de mon bébé, je veux le retrouver, je vous en prie. Moi non plus, Anastasia. On le retrouvera. On va le retrouver, c'est sûr. On va se séparer et on dit radio. C'est pas en restant sur place qu'on va bouger les choses. Peut-être bouger le cul. T'en penses quoi, toi? Bah, je pense qu'il est vivant. Je l'espère pour toi, mon camarade. Imagine, c'est une mascarade. Des pollos. Elle a dit qu'il y avait des poulets. Je pense. Réitère ce que tu as dit en radio. Nous avons des policiers. On arrive. J'aime beaucoup le bruit moteur de ce véhicule. Oui, j'aime bien aussi. Ouais. Ça me rappelle le pays quand j'ai l'exorcuté otage. On a claqué toutes nos économies pour venir ici, pour retrouver quelque chose peut-être qui est juste perdu et enfoui. On verra bien si ça vaut le coup ou pas. J'ai confiance, camarade. Moi aussi, j'aimerais bien voir mon fils. Ou ma fille, je sais pas. Je sais même pas si ça se trouve, il sait même pas qui on est, ça se trouve, on lui a menti sur toute la ligne. Ça se trouve, il a des parents adoptifs, ça se trouve. La vérité vaincra, mon camarade. J'ai même plus d'émotion. J'arrive même pas à être triste. Toutes les cicatrices, toutes les tortures qu'on a. J'arrive même plus à ressentir quoi que ce soit, de toute façon. M'en parle pas, camarade, je comprends. Bon, on aura la vengeance et on trouvera ton enfant. On aura la vengeance, bien évidemment. Quoi qu'il arrive, sachez un truc, c'est que... Même si, admettons, on ne trouve pas le gosse ou l'enfant... Quoi qu'il arrive, on va les faire payer. Je vais vous expliquer le plan que je pensais. Ah. Elle se met par terre. Il y a eu la vie, j'ai fait croire que je suis le mari fou, que sa femme l'a trompé. Au pire, faudrait qu'on fasse mettre quelques coups de feu, ils vont venir. C'est la menace. Et dès que les policiers arrivent, nous, on les braque et on les emmène. Ça me va. Da. Comme ça, c'est une façon sûre de... infaillible. Il faut juste faire attention que... si jamais ils te voient y braquer, il faut faire attention qu'ils appellent pas des renforts dans l'immédiat. Nous allons réussir la mission. Da. Je pense qu'on devrait tourner autour du bâtiment. Ah. Il y a voiture. Je pense qu'il y a une voiture qui arrive. C'est des voitures de flics. On y va ? On y va, c'est parti. Bonsoir, monsieur. Quelqu'un qui peut m'agresser, monsieur. Tout dégage. Il meurt sur le champ. Alors, compris, tout dégage. Est-ce que vous avez bien compris les informations qu'on vous a données? Oui, à l'instant? C'est compris. Alors, moi, personnellement, je n'ai pas compris parce qu'il y a très bien. Qui me parle en même j'ai temps. J'ai dit que si tu utilises ta radio, ton bouton d'alerte, tu meurs sur le champ. Est-ce que c'est compris? Hop, pas de soucis. Vous allez déposer vos armes et votre radio au sol et vous allez nous suivre gentiment. Ouais, pas de soucis. Sans battre de l'aile. C'est bon, allez, posez tout par terre. Je vais les poser, c'est bon. Ah, c'est vrai. Bien. C'est bon. Venez. On va bien se passer. Allez, on y va. Un qui vient avec eux, un qui vient avec nous. Tu montes voiture. Dans la voiture. Très bien. Ton téléphone, jette-le par la fenêtre. C'est bon, j'ai jeté. Je l'aime pas trop, elle. Pourquoi? Elle ne m'inspire pas confiance. Un petit peu. Personne ne nous inspire confiance depuis des années.
C'est bien ce que je dis. Il ne m'inspire pas confiance. Je ne veux pas. En qui on peut avoir confiance, Anastasia, après tout ce temps? Seulement en nous-mêmes, et tu le sais très bien. Ouais. Je veux pas me perdre. Je veux retrouver ma raison de vivre. On est déjà perdu dans les enfers. Maintenant, il reste à savoir s'il y a encore un petit peu de lumière. Je ne suis plus sûr. Et dans tous les cas, on pourra pas aller plus profond que ça. Ça, c'est sûr. Tu sais très bien que si jamais... C'est des bons objectifs, cela. Oui. Vous savez très bien que si jamais on n'a pas les réponses à nos questions ou autres, quoi qu'il arrive, on rejoindra un monde qui sera peut-être meilleur. Mais je veux le rejoindre avec mon fils. Bien sûr. Non, c'est vrai, mais tout que toi, on va rejoindre ton fils. Tout va bien se passer. C'est peut-être même une fille, je ne sais pas. Ah, tu ne sais pas, tu te rappelles plus. Il veut l'avoir chassé vite. Ça m'énerve, j'ai envie de tout casser quand on donne ça. Il n'y a même pas eu le temps de le mettre dans mes bras. Nous, on est ici, États-Unis, pour trouver quelqu'un. On est prêt à tout pour trouver cette personne. C'est compris? Je vous suppose. Vous savez, en Russie, on nous a fait une torture pour apprendre à contrôler notre respiration. Si vous ne voulez pas avoir affaire à cette torture, je vous conseille vivement de parler, et très rapidement. Parce que sinon, il y en a un de vous deux qui va avoir les mains liées et qui va se prendre une balle au niveau du thorax. Et si jamais, admettons, il respire trop vite, le sang va sortir très rapidement. Et il va se vider de son sang. Il n'aura pas 36 façons. La seule façon, c'est de garder son calme, de ne pas paniquer, de respirer lentement. Mais l'issue de ça, c'est souvent cause de mort. Le dame, elle a dit qu'elle avait contacté EMS. Peut-être ça aussi, ça peut être piste. Ah, ça, je prends. Je regarde, il y a une dame qui lui a envoyé des messages. La dame s'appelle Wolf. Comment? Il y a la dame qui lui a envoyé des messages. Elle lui a envoyé, tu es où? Tu es toujours en patrouille. Je crois qu'ils sont déjà en quai. Intéressant. Je vais rappeler à ma... Je rappelle à madame qui lui a envoyé des messages. Si, tu peux lui dire. J'appelle mon parleur. Je l'appelle, attention, je mets le haut-parleur. Je vais lui donner son bloc-notes. Il appelle, elle répond pas. Il y a un gombarazard. Attends, là. Ok. Allô? Moi, tu vas faire d'un truc après. J'ai ta belle-sœur en ma possession. Comment ça? Qui? On est tellement... La dame. Attends, son prénom. J'ai oublié son prénom. Mais vous êtes qui? Vous êtes qui, vous? Si vous voulez revoir votre membre de la famille en vie, vous me donnez votre prénom. Ailey. Ailey. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Ailey? Je fais SMP. SAMP, quel âge avez-vous, Ailey? 34 ans. 34 ans. Vous me donnez... Enfin, vous me posez beaucoup de questions sur moi, mais je pourrais savoir qui vous êtes. Dis, mon ami Sergei, dis-lui le nom de la dame qu'on a. Nous sommes en possession de Tsuna. Ça te parle? Oui. Est-ce que tu veux récupérer Tsuna? Est-ce que tu souhaites récupérer la tête ou le corps? Bah... Tout et en vie, sans être blessé. Tu as une solution, la tête ou le corps? Non, tout sans être blessé. Ça fait, je pense, 30 minutes que vous avez deux agents qui ont disparu. Et totalement, j'ai essayé d'appeler plusieurs fois ma belle-sœur. Elle ne me répond pas, c'est pour ça que je lui ai envoyé plein de messages. Ancienne belle-sœur, tu peux parler d'elle au passé. Comment ça, ancienne? Maintenant, il y a la tête ou le corps, on te dit. Non, on négocie, on peut faire quelque chose si vous le souhaitez, mais touchez là-bas. Le commandant nous appelle dans 5 minutes. Commandant, c'est-à-dire, il n'y a pas de commandant. Le plus haut de ce voix doit nous appeler. À ce numéro-là, Oui, ce numéro-là. Tic, okay. Tac, tic, vous avez... tac.
Vous avez oui, deux oui, minutes. Bah, je raccroche et je dis au commandant de vous appeler. Oui, j'ai compris. Tic, tac, tic, tac, tac, tic. Oui, mais tac. Du coup, je peux pas. Accrochez. Appelez plus vite. Ils sont vraiment pas très réactifs dans cette ville. Allô, le commandant. Oui, allô, allô. Bonjour, c'est vous le commandant? Oui. Je suis très heureuse de vous parler, commandant. Vous connaissez bien vos effectifs, commandant? Est-ce que vous pouvez me donner des informations sur votre effectif en échange de la tête de votre cher officier? Je cherche quelqu'un. Vous allez me trouver un agent adopté. Et vous m'envoyez les matricules de tous les agents qui ont des parents adoptés. Oui. Oui, c'est tout. Mais vous êtes où là? Pourquoi vous voulez savoir où je suis? Vous voulez récupérer la tête et le corps? Ne vous inquiétez pas, nous vous l'enverrons séparément par la poste si vous faites ce que je vous dis. Ah oui. Bah, au vu des menaces, du coup, on va rien dire vu qu'ils vont quand même crever. Écoutez. Vous avez demandé des informations assez précises. Actuellement, vous avez deux agents qui ont disparu depuis une petite heure. Ces deux agents en question ont peut-être rien demandé. Ça va être nos jouets. Donc, oui. Vous savez, des jouets, vous pouvez soit les récupérer en mauvais état, soit en bon état. Mais en bon état, à bon entendeur, bien évidemment. Évidemment, à bon entendeur. Non, parce que là, de ce que vos collègues disaient, qu'on allait les récupérer, mais la tête et le corps, voilà. Oui. Pas ensemble, quoi. Après, je vous ai dit à bon état, mais il faudra juste les remboîter, c'est pas. On pourrait toujours faire un enterrement, non? C'est très convaincant pour recevoir des informations, parce que les corps inhumés, ça m'intéresse pas. Eh bien, vous voulez des corps animés alors? Exactement, toujours en vie, avec la tête sur les épaules. Alors donnez-nous des informations. Savoir qui a été adopté dans mes services. Exactement. Il n'a qu'à se renseigner. Normalement, quand des agents s'enregistrent pour devenir agent, vous avez normalement accès à leur vie, à leur dossier. D'où ils viennent? Qui sont-ils? Oui. C'est ce qu'on vous demande actuellement. Je vais voir ça. Si vous voulez réduire vos recherches, je cherche quelqu'un qui est entre 20 et 25. Ça m'aide pas vraiment, mais merci. Bon, vous me direz merci plus tard. Ok, on vous rappellera. Très bien. Très vite, vous avez des minutes. Il m'a envoyé des matricules. Attention aux matricules qu'on reçoit. À tout moment, c'est des agents qui s'inventent une vie. Justement pour nous piéger. Je crois qu'il m'a menti. Ah, tout menti. Où es-tu? Il m'a envoyé 409 et 409, c'est celle qu'on a avec nous. Appelle le commandant. Et elle a dit qu'elle n'était pas adoptée. Appelle le commandant, on va rigoler un petit peu avec lui. Il a échoué le test de confiance. Oui, complètement. On va lui montrer qui on est. Allô? Oui, allô. Commandant, vous êtes un menteur? Bien, non, pourquoi? Vous m'avez donné le matricule de 409. 409 connaît ses parents. C'est pas parce qu'elle connaît ses parents que forcément elle n'a pas été adoptée. Elle m'a dit ne pas l'avoir été. Ah, c'est ça, vous êtes sûr? Oui, vous m'avez menti. Parce que moi, on m'a dit qu'elle était adoptée. Aïri, je t'en prie. Commandante. Oui. Écoutez-moi attentivement. Nous avez menti. Test de confiance est donc rompu. Vos deux agents, il y en a un, ou peut-être deux, qui vont mourir. Tout va dépendre de votre efficacité et de votre rapidité. Ça va être simple. Nous allons vous envoyer une position.
ces deux agents en question vont se prendre des balles à des endroits que si jamais, admettons, ils respirent trop fort, ils risquent d'avoir trop de sang qui coule. Vous savez, juste en dessous le cou, au niveau du thorax. Ils vont se maintenir la plaie. Les deux, le premier qui va tomber dans les pommes, va susciter la mort de l'autre, directement. Si vous n'êtes pas rapide, vous perdez deux agents, ce soir. Ce n'est pas du bluff. Vous n'allez pas les retrouver à l'hôpital, et vous allez encore moins avoir une discussion avec eux ce soir. Tout va dépendre de votre équipe, et tout va dépendre de votre rapidité. Vous avez voulu nous berner, alors on va passer à l'attaque. Vous pouvez, je pense, commencer à dire en radio un... Je sais pas ce que vous faites, hein. Un 10-10 End of Watch. Si c'est ce que vous dites, ici. C'est moi qui suis trop rapide, ou c'est vous. Soyez rapide sur la position, commandante. Parce que la position risque d'être fatale pour vous. Ah, non. Tu peux raccrocher. Vous explique le plan? Oui. On va donner trois positions. Ça va former. D'accord. Ça va former un triangle. On va bien préciser au commandant comme quoi que ces positions sont hautement dangereuses. Que si jamais elles ne sont pas rapides, c'est la mort assurée. Sur ces positions en question, c'est Las Venturas, le Mont Chiliad et l'aéroport. D'accord. La position où seront les otages sera Las Venturas. Ils vont se maintenir leur plaie pour survivre le plus longtemps possible. Mais ça risque d'être compliqué pour eux. Sur une autre position, on va mettre des tirs au loin, histoire de blesser des agents. Très bien. Histoire de montrer comme quoi que c'est dangereux et qu'on n'est pas n'importe qui. Et sur la troisième position, on va mettre une statue, un petit truc, avec une petite musique. Histoire de leur faire croire qu'il y a quelque chose, alors qu'il n'y a rien du tout. C'est parfait. C'est bon pour tout le monde. Bon, très bien. Du coup, Anastasia, il faut que t'appelles le commandant. On va le briefer. Bien sûr. Lui, il va avec otage. Et toi, Riley, tu fais sniper. Ça me va. Parfaitement. Oui. La deuxième. Parfait, moi je pose statue. On met où statue? Statue au niveau de l'aéroport. Dans un garage. Non, sniper aéroport, sniper Chiliad, c'est dur. Sniper aéroport, parfait. Sniper aéroport, statuette Chiliad et agent Las Venturas. Il faut me laisser alors au télétruc qui monte jusqu'à montagne qui pique cul soleil. Il me faut quelqu'un avec moi à l'aéroport pour vite m'extraire. Tu veux qui? Peu importe. Ah, parfait. Je vous dis radio quand je suis prêt. Camarade. Bonne chance, camarade. Bonne chance. J'espère lui aimer statue qui twerk. Ah bon? Qui twerk. C'était quand même une bonne soirée pour faire les présentations. C'est... Maintenant, ils savent qui nous sommes. Demain soir, ça risque d'être croustillant aussi. Ça va péter. Parfait. On va laisser les deux dormir ensemble. Bonne nuit. À demain. À demain. Je vous dis à demain.